Alors la recette du jour, c'est un donc tartare d'huître et de Saint-Jacques. Regardez. Et on va aller en cuisine directement avec Christian Lerme, le chef de l'Arc-en-Ciel, pour pouvoir déguster, pour pouvoir réaliser cette recette. Bah, le but de la recette, justement, c'est de faire aimer aux gens qui n'aiment pas les huîtres, justement, c'est de leur faire découvrir cette texture et leur dire que l'huître, vraiment, c'est quelque chose qui peut être très bon et qui n'est pas seulement écœurant. Donc on va manger un tartare de Saint-Jacques. Vous avez préparé un tartare de Saint-Jacques et d'huître. Voilà. Ok, donc là c'est... On va le préparer. Ouais. Ça c'est un peu les ingrédients, on va dire. Et là c'est tout ce qui concerne la recette, c'est-à-dire des huîtres, ouais. Des belles huîtres d'Isigny, des Saint-Jacques. Ouais, c'est hein, les nouvelles Saint-Jacques là, qui viennent tout juste d'arriver, là, les premières pêches. Là. Ouais. Et puis après tous les condiments de base sur un tartare, on va dire, classique. Alors qu'est-ce que c'est ça? Cap? Ça c'est des capes, cornichons. Là on a une petite mayonnaise, moitié huile d'olive et moitié huile d'arachide. Ici échalote. Et là un petit peu de persil plat haché. Ok, et là, sauce. Donc là, un petit peu de sauce anglaise et tabasco et un peu de cognac.